décernons la médaille de la sécurité intérieure. Pour ton père. Je voudrais commencer mon propos en remerciant mon ami le capitaine Ballard pour la brillante prestation qu'il a donnée et cette belle cérémonie qu'il nous a offert, sans oublier nos équipes et partenaires sans lesquels nous pourrions vous recevoir aujourd'hui dans de bonnes conditions. Alors je ne parle pas du temps et de la température bien entendu. Comme il se doit, je veux aussi féliciter très chaleureusement tous nos récipiendaires qui sont ici pour l'action qu'ils ont menée le 9 janvier dernier, 2015, lors des événements que vous connaissez tous. Qu'il me soit également permis de saluer chaleureusement Mgr Magnas et M. Aumônier de Théogène, ainsi que celles et ceux qui ont participé et œuvré pour concevoir ce bel office dans un lieu aussi prestigieux. Après la prise de commandement du mois de septembre, nous sommes réunis pour honorer une nouvelle fois la gendarmerie par le prisme de Sainte-Geneviève. Alors vous l'avez remarqué, Sainte-Geneviève est un petit peu particulière, puisque habituellement, à l'édition précédente, elle était célébrée au mois de novembre. Mais comme chacun sait, le contexte délétère de la fin de l'année dernière ne nous a pas permis de mener à bien cette manifestation. J'ai tenu, malgré tout, en dépit du contexte particulièrement tendu, contextuel, à maintenir cette célébration à laquelle nous sommes tous très attachés. Alors effectivement, comme je l'ai entendu justement dans les différents vœux où j'ai pu participer, nous ne regretterons pas l'année 2015. Le terrorisme aveugle qui a frappé notre pays et a marqué notre territoire a changé la donne pour longtemps. Qu'il me soit permis d'ajouter à ce sombre tableau, et en tant qu'ancien motocycliste de la gendarmerie, la situation particulièrement dégradée sur le front des accidents de route, l'arrondissement de Meaux ne faisant malheureusement pas exception. Mais en ce début d'année, je veux positiver, et permettez-moi par contre dans ce cadre de développer au moins localement quelques points à l'appui de cet optimisme. Tout d'abord, le regard des Français sur les forces de l'ordre a évolué, nous le sentons. J'y vois un signe très encourageant pour l'avenir, car n'en doutez pas,
les combats que nous aurons à mener et que nous menons actuellement ne pourront être gagnés qu'en étant français. Ensuite, les résultats de la campagne de gendarmerie départementale de Meaux sont bons. Donc là, c'est un deuxième point positif que je voudrais signaler, notamment sur le front de la délinquance générale, notamment s'agissant des cambriolages qui impactent beaucoup nos territoires depuis des années. Dans ce contexte donc difficile, j'y vois fort logiquement la récompense du travail des gendarmes de terrain, et notamment bon, aujourd'hui, s'agissant des gendarmes de la compagnie de Meaux, et notamment des brigades donc de la Martin-Goël, on ne sait plus, d'Esly, de Lizy-sous-Bourque, de Saint-Soulet et de Chelles, qui œuvrent donc au quotidien pour votre sécurité sur l'arrondissement de Meaux, appuyé par la brigade de recherche, bien entendu, et le fameux GERAC, groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage. Ensemble, nous avons pu très récemment mettre hors d'état de nuire des bandes organisées qui permettraient sur le ressort des vols dans les pharmacies, notamment à Saint-Marc et à Saint-Soulet, dans les supermarchés, dans Perrier, Saint-Soulet, ou qui se donnaient à un trafic de véhicules volés. Cette semaine encore, je note que des cambrioleurs ont été placés sous les verrous suite à des faits commis en début d'année, des faits cambriolages. Je n'irai pas plus loin pour préserver le secret de l'instruction. Mais je ne veux pas non plus oublier le peloton de surveillance et d'intervention de Meaux, un psychique qui œuvre pour la tranquillité de vos nuits, sans oublier, colonel, les gendarmes mobiles et les réservistes de la gendarmerie qui nous apportent leur concours indispensable sur le ressort. Si vous voyez, colonel, un message là-dedans, vous aurez raison, puisque je souhaite que ce dispositif soit pérennisé car il nous apporte énormément.